Coucou les filles, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous emmène à CelebFest. Alors CelebFest c'est quoi? C'est un peu l'événement du moment. Alors tout le monde en parle, que ce soit les personnes, que ce soit les marques, c'est juste un truc de dingue quoi. Et on va découvrir ça ensemble. Donc CelebFest c'est un événement qui se déroule sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Nous sommes le vendredi. Voilà, je ne peux pas y aller samedi dimanche parce qu'avec les filles c'est juste pas possible et il y a une foule énorme. Donc pendant 3 jours il y a un genre de salon avec plein de marques de prêt-à-porter, d'alimentation, de décoration, etc. Et donc c'est un genre de grand bazar spécialement pour le ramadan et pour la fête de l'Aïd. Voilà, donc il y a beaucoup de marques qui font sortir pour l'occasion leur collection pour Hari Raya. Donc ici on appelle la fête de l'Aïd Hari Raya. Et donc voilà, je suis pressée de voir ça, j'ai des marques à rencontrer et en même temps voilà, ça va me permettre un peu de découvrir cet événement puisque j'ai loupé celui de la fois dernière, c'était au mois de décembre et j'étais aux Philippines, donc du coup j'ai pas participé à l'événement et là je me suis dit ok, pourquoi pas et voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, j'espère aussi que ça va me plaire. C'est parti pour CelebFest 2017. Bonjour. Hé hé, c'est encore très calme, donc je suis en train de chercher d'abord le stand, je dois voir qui est la première, c'est Loulou d'abord. Loulou, ensuite on va voir The Pure Label, il faut que j'aille voir Azina Abaya. Rah, comment je vais m'y retrouver moi dans ça? Il n'y a même pas de numéro, si, il doit y avoir des numéros. Et regardez les filles, donc ça c'est un foulard. Un peu comme les un peu comme les foulards que je vous ai déjà montré. It's like an instant hijab. Yes, et voilà, donc il n'y a pas besoin de pin. Bon, il y a plein de couleurs différentes. Donc ça se présente comme ça et ensuite, hop, vous avez juste à à le poser par-dessus. I will take something like this. I think for Hari Raya it's more exactly. Je vais prendre un truc avec plus de paillettes, mais il y a vraiment plein de couleurs. Voilà, et là je vais regarder donc les abaya. Celle-ci, je la trouve trop belle, mais je me dis noir, je mets tout le temps du noir, donc voilà. Voilà, franchement elle est canon, regardez-moi ça. Ah non, je peux pas vous montrer, mais elle est trop belle, franchement elle est trop belle à juger. Et ce que j'aime bien, ça fait, je sais pas, ça fait robe en même temps, ça fait un... elle est trop canon. Regardez ça, c'est Mickey, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je cherche le numéro B11. J'ai tout pris mes petites notes avec les personnes que je dois rencontrer, mais je sais pas c'est où. Alors, on est dans les P, je crois que ça doit être de l'autre côté. Ah là là. Et regardez les filles. Donc ça, c'est Dinar and Dirham. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un photoshoot pour eux avec avec leurs ensembles. You have a new design for Hari Raya? This is the new one. Oh wow, this one is beautiful. Oh yeah, this one is beautiful. Yes, yes. Regardez-moi ça. Franchement, ils sont trop beaux. But you don't send to France. We will definitely. But it's only that we will guide you how many days and okay. Everything we will. Okay. Yeah. Ah, I remember I shoot for this one. Ah yes. Donc voilà, il y a une photo sur mon Instagram avec avec cette tenue là et j'avais aussi porté le rose. In fact, this is new colors we have. This is the new colors. Yeah. Franchement, ils sont trop beaux. I love the design and the material is very, you know. Very cooling. Exactly. Yeah. Okay, this is dirham dinar. Dinar dirham floues, floues, floues. Recoucou les filles. Donc là, je suis chez Pure the Label. Je vous montre un peu les marques dont je vous ai parlé sur Instagram. Donc je porte d'ailleurs son pantalon ici et si vous allez sur Instagram, vous avez le look, un look de chez elle puisque j'avais porté ses vêtements lors de la Modest Fashion Week. C'était vraiment un ensemble très simple. Un haut avec un genre de kimono et un pantalon. Donc voilà. Hi. Hello, Ramadan Karim. Direction à Azina Abaya. Vous avez un look avec cette marque? Alors, moi, celle que j'aime bien, c'est celle-ci. J'hésite, au fait, entre cette abaya et celle-là. J'hésite entre les deux.
Celle-ci, je l'ai trouvée originale, ça fait un peu cap. Celle-là, ça fait plus, plus à abaya. J'aime bien les petits froufrous. Rebonjour. Alors là, on est chez Gray. Gray by Horton Hill. Alors, voilà. Il y a plein de filles qui m'ont dit d'où elles viennent tes chaussures. Elles viennent de là. Voilà. Donc, ce sont ces chaussures. J'ai choisi exactement ce modèle-là. Et alors, j'ai un autre modèle. Oh, where is the gold? I have a... It's not this one. Yeah, you have a brass. The other one. Ah, you have? Yes. Can you give me? Je vais vous montrer le deuxième modèle que j'ai pris de chez eux. Et en fait, ce sont des chaussures unisexe. Celles-ci, elles sont canon. Franchement, comme je vous ai dit, je les ai portées et je vous avais pas dit d'où elles venaient, mais il y a plein de filles qui m'ont demandé. Et je vous avais promis un post, je ne l'ai pas encore fait, mais elles sont trop bien. C'est du cuir. Et alors, vous avez aussi des sandales toutes simples, comme ça. Mais ça, c'est l'ancienne collection. Ah, it's this one, voilà. C'est celle-ci que j'ai prise. Voilà. Et elles sont vraiment jolies. Mais je préfère, j'ai vraiment une préférence pour celle-là. Avec un jean boyfriend, je trouve que ça fait juste super beau. On continue les filles, vous reconnaissez. Je la porte dans l'une de mes photos Instagram, donc c'est la blouse de chez By Harmony. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a plein qui m'ont dit oui, quand on t'a vu la prendre dans le magasin, on s'est dit que c'était pas terrible. Et finalement, porter, ça donne un effet très classe, un peu princesse. Mais franchement, elle est super jolie. Donc voilà, By Harmony. C'est la folie, il y a plein de marques, franchement c'est sympa. Il n'y a pas d'animation, mais c'est vraiment sympa. Par contre, je commence à avoir trop faim. Et en plus, il y a plein de trucs à manger, donc du coup, ça donne envie de manger, mais bon. Ok, donc là, j'ai rencontré deux abonnées. Et elle va me faire un petit motif, ok? Something very small. Sorry, yeah. Ok, elle va me faire un petit motif de aîné et voilà. Ouais. Je vais juste faire un petit truc au niveau des doigts, étant donné que j'ai pas mal de sec avec moi. Pas trop. Voilà, j'ai pas envie de faire un motif qui est assez encombrant. Franchement, c'est super joli, j'aime bien sur les doigts, ça fait pas trop. Les filles, donc là on est chez Nursiaf. Et alors, normalement, vous avez vu ces robes sur mon Instagram. Et aussi dans ma dernière vidéo, Cover Girl. I don't remember, I have the black one, I think. Oui, j'avais mis le noir et j'ai aussi le rose and the pink one. You have something new for Hari Raya? This one. Ah, this is... Oh, ok. This is the new... Ça, c'est le nouveau modèle pour Hari Raya. It's very nice. Oh, I love this. Oh. Ah, I love it. Franchement, c'est trop beau. Beautiful. Voilà. You'll see it. You don't send to all the world? Let me try. We don't know. We need to figure out PayPal. Ok les filles, donc là on est chez Mode Closier. Hello, salam alaikum. Et donc là je vais faire un look avec cette tenue. Is it a jouba? Yeah, it's a long tunic. Ok. Yeah, you can wear it alone and you can wear it with... Yeah, it comes also. It actually comes, it's a suit and it comes with a skirt. Ah, it's a skirt. Yes. Okay. You can see the contrast and it comes in three colors. Black, red and blue. Yes. Yeah. Moi j'ai pris le bordeaux. Donc je vais vous faire un look sur Instagram et je vais vous taguer bien sûr le nom de la marque. Donc ça c'est ce qu'ils ont fait sortir pour Hari Raya. Yes. Very nice. Yeah. So okay, it's very limited. Yeah, it looks perfect on her, okay? Voilà. Franchement, elle est jolie. Et je verrai la photo sur mon Instagram. Hasna Hijab Style. Blue or red? Je vais prendre le bleu, je pense. Franchement, celle-ci, elle est trop belle. Je les prends les deux. Non, je rigole. Mais je crois que je vais prendre celle-ci. Donc là on est chez Loulou El Haldel. Donc je suis venue récupérer la robe. Vous vous souvenez, en fait finalement j'ai pris les robes jordaniennes, mais il restait plus qu'une taille, une taille 3 ans pour la robe rouge. Donc je voulais prendre bleu pour Rania. Et en fait elle m'a fait une crise, elle voulait rouge comme sa sœur. Donc du coup il restait une taille 6 ans et elle me l'a raccourcie. Donc là je viens la chercher et je regarde un peu, il y a du monde. Et elle a fait sortir une nouvelle collection, donc ensemble, maman, fille, et tout est out of stock.
C'est parti, tout est parti, c'est dingue, mais les gens ils sont attaqués. Coucou les filles, donc voilà, là c'est un superbe pantalon qui a été fait par Frog & Flock, c'est une designer singapourienne. Et elle fait plein de chouettes vêtements, des trucs assez traditionnels. Et là j'ai pris ce collier qui est fait à la main, comment elle s'appelle? What is the name? Twirls of Yarn. Oh my gosh, avec mon accent, bref. C'est aussi une créatrice de bijoux qui fait plein de petits bijoux elle-même. Et voilà, vous verrez le look sur Instagram. Coucou les belles, donc voilà, je vais aller prier. C'est cool, ils ont fait une salle de prière juste à côté. Il y a des toilettes de disponibles. Et ensuite, je vais aller tout doucement. Je suis épuisée, j'ai rencontré... J'avais 7 rendez-vous. Et 7 rendez-vous. Et le truc, c'est que après, il y a toutes les personnes que je rencontre, que je connais. Donc du coup, on s'arrête, on parle. Et ça m'a pris quasiment toute la journée. Un truc de dingue. Mais voilà, c'était super sympa. J'ai rencontré aussi pas mal d'abonnés. Et voilà. Ah oui, vous avez vu, moi, aînée. Allez, on va faire les ablutions, on va aller prier. Et on va y aller tout doucement. Coucou les filles. Ça y est, on est parti. Je vais pas chercher les filles, j'ai juste à l'acheter des petites courses et on y va. Et je suis chargée comme je sais pas quoi. J'ai mal aux pieds. Heureusement que j'ai pas mis de talons, j'ai mis des chaussures plates. Et je savais de toute façon que ça allait me prendre toute la journée. Vous savez. Donc voilà les filles, c'était Célèbre Fest. Franchement c'est sympa. Sincèrement c'est sympa. Ça fait très ambiance, je sais pas moi, d'avant l'Aïd et c'était cool. Ah j'en veux plus, ça y est, on est dans le bus. Alors j'ai reçu une photo sur... Je viens de recevoir une photo, de ce que j'ai compris. J'ai un colis et en fait il me l'a laissé devant la porte. Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir. Donc si c'est le cas, on ouvrira ensemble. Si ce n'est pas le cas, voilà. Épuisée, franchement là je suis fatiguée et voilà, demain j'ai un photoshoot. Oh bah super, en plus ça tombe bien, j'ai ce petit aîné. Oh, je vous le dis, hein, je vous le redirai demain, mes filles quand elles vont voir ça, elles vont devenir folles. Elles vont me dire maman, Hanna, le souci c'est que j'ai plus d'aîné à la maison. Je suis quasiment sûre que je n'ai plus de aîné, donc du coup, oh là là. Je sens que ça va être la crise. Alors, on va voir c'était quoi cette histoire de... Ah oui, colis. Mon colis il est arrivé et je vais pas vous montrer ce que c'est. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et voilà, c'est une commande en tout cas que j'ai passée. J'avais vraiment envie de tester ce site, mais je vous en parle dans une autre vidéo. Allez les filles, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.